Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La suite de la carrière F1, donc deuxième épisode. Du coup, hop, on va continuer ça. Allez. Donc là, c'est en Arabie Saoudite, manche 2 sur 14. Dans la première épisode, n'hésitez pas à aller le voir. Allez, go, go, go. Donc info session, ok, 29 minutes, ok, bon bah on va faire la dernière fois je savais pas trop, mais en fait il faut sélectionner, il faut essayer de faire score égal supérieur à 30, supérieur à 50, usure faible, ça c'est les pneus je crois. Ouais, voilà, et gestion de carburant. Ok, on va commencer par le premier. Ah, et après c'est secondaire. Ok, fait, le principal c'est 0. Ah, les yeux, d'accord. Là il faut 5 tours, là il faut 3 tours, là il faut 3 tours. Donc il faut y aller. Hop, bah c'est avec quel pneu par contre. Il va me recommander. Ok, on va l'étendre, réservé. Un de pneus on peut pas changer. Ah non, c'est tendre, ils sont réservés, on peut pas en fait. Ok, médium, bah, ça peut être que médium de toute façon. Hop, médium, tour restant 12, je peux faire 12 tours max. Bon bah on va faire ça. Ah, départ lancé, j'aurais dû faire départ du stand. Oh, c'est pas grave. Bon bah c'est parti du coup. Oh, comment il pilote déjà. Il faut que tu boucles quelques tours propres pour qu'on puisse élaborer une bonne stratégie en course. Voilà, d'accord. Hop. Voilà. Bon. Ouais, bon bah. Je coupe là, là, je vais couper là, et je vous reprends à la fin des essais. Voilà, j'ai fait les défis, le défi, voilà, le premier 5 tours, j'ai fait 6 tours, non, 4 tours. Bah, 4 tours, et il m'en manquait un tour, mais je l'ai pas fait. Du coup, j'étais principal, supérieur à 30. Et 50, j'ai pas fait. Du coup maintenant on va passer du coup à gestion des pneus. Voilà, je sais même pas ce qu'il faut faire, usure moyenne, usure faible pour voir les pneus qu'il y a besoin. Du coup tendre, médium, en fait les mêmes, hein. 6 tours sur 12, donc ouais, j'espère que je vais réussir premier coup. Au départ lancé encore, mais décidément. Bon bah du coup je vais vous reprendre après. Bon bah voilà, j'ai fini à deuxième objectif, les gestions des pneus. 2 sur 5 j'ai réussi, piloter proprement vu un vecteur, activer le DRS dans toutes les zones. Je me rappelle pas de l'avoir fait. Ça c'est de la gestion des pneus pourtant, ouais. Ouais, et gestion des pneus, rien n'est bon. J'ai fait que les secondaires. Et maintenant on va passer aux gestions de carburant. Hop, départ. Ah, c'est pas les bons pneus, c'est quoi? Ah si. Départ lancé, hein, on va faire pareil du coup. Ça ira plus vite. Ouais, du coup je fais pareil, je vous reprends la fin bah, cette fois de l'été des essais. Allez, à tout de suite. Bon bah du coup c'était rapide, j'ai pas vu qu'il y avait plus de temps, du coup j'ai pas pu faire la gestion de carburant. Nous avons assisté à une séance intéressante. Du coup voilà, alors j'ai fait ce circuit, il est vraiment compliqué, 20e.
Compliqué, compliqué. Bon, on va continuer. Eh, pas facile ce circuit. Pas facile du tout. 20e aux essais. Et c'est libre, heureusement que c'est que les essais. Bon. Bah non. Non, c'est qualif. Pourquoi enfin c'est pas l'uniquement je peux le mettre. Ah, il y a sprint et course, ok. Bah, c'est bon. Bon bah du coup elle a la session suivante. On va faire les qualifs. Allez. Voilà, bah, du coup là normalement ça devrait le faire, ça devrait être bon. Qualif, feuille à soleil. 17 heures durée de vie des pneus. Ça c'est le temps, ça c'est le pilote du regard. Ok, bon bah normalement on va pouvoir commencer les qualifs. C'est pareil, hein, c'est. Ouais. Type de pneu. Recommandé humide. Ah ouais, on peut choisir humide et tout. Oh, d'accord, mais le type de pneu c'est bon. 19 tours avec ça, hein, tu perds dans autour, tu perds 5 secondes. D'accord, là du coup faut que je mette prêt. C'est où? Allô. Ah d'accord, il faut revenir. Allez, prendre la piste. Ouais ouais, c'est bon, je sais. Sortie des stands. Bien, allons-y. Ouais, c'est parti pour les qualifs. Non, ça lui faut me viser une 51 à peu près. Je crois. Allez, c'est parti. Combien d'essence? Pas énorme, hein. Oh, ça commence bien, je me prends le premier mur. Ouais, ce circuit est pas facile. Ouais, wow, les sorties de piste. Prendre le mur. Bon bah du coup hop, bah je vous mets un petit bout de faire un tour. Voilà, sachant que là c'est ça compte pas. D'accord, oh c'est beau ça. Voilà, ce virage là, pas facile. Ah, j'aime pas le virage en S. Là, j'arrive pas, même celui-là, c'est chaud. Meilleur tour, ouais, à Youmou.
Ah là là, je me prends le mur, je sais pas piloter. Ouf 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 ouf. Elle gigèle trop là. Allez, allez. Aïe. Il fait combien? Oh là, je regarde le classement. Je... 8, 9e. Meilleur tour, 1,52. Oh là là. J'ai misé 1,51 à peu près. C'est pas comme ça que je vais y arriver. Sur tous ces virages-là, il est fort à gérer. Bon bah du coup je vous reprends après. Bon bah c'est bon du coup. J'ai fini les qualifs. J'ai fini. Du coup voilà, le temps que j'ai fait, j'ai fini 4e. Bah il reste encore 15 secondes. On attend patiemment, mais j'ai fait 6 tours. Du coup on attend que le temps se termine. Et normalement je serai 4e avec 1,49 800 et 1,40 le premier. Grille pour la course de demain est maintenant établie. Jetons rapidement un œil sur les voilà. Meilleurs chronos. Williams, Lawson et Felipe Drugovic. Nous connaissons désormais la grille de départ. La prochaine étape sera la course. Bon, qualif 4e. À très vite. Alors, il y a Callan ou Callon, je sais pas, William 1er. D'accord, Trion. Liam Lawson, Felipe Drug et moi. Et après, bah, les prochains. Donc le plus rapide c'est lui à gauche, Jeddah Khalif, voilà. Donc du coup on va faire la course et la course on l'a fait complète. Hop, on va faire la course complète. N'hésitez pas aussi à vous abonner, partager, liker si cela vous plaît. N'hésitez pas à aller voir le premier épisode de ma carrière. Du coup, bah normalement c'est bon, de toute façon on peut rien modifier, course principale, 9 tours cette fois. Complet, format de la course. Complet, ok. Attendez 2 secondes, pourquoi la dernière course il y avait 11 tours et là il y en a 9. Je comprends pas tout. Paramètres de simulation. Non, c'est pas ça. Comment ça se fait? C'est jamais les mêmes tours, nombre de tours. Paramètres de carrière. Non. Difficulté, c'est pas ça. Voilà. 50, je suis toujours à 50. Et à 50, ce circuit est un peu chaud quand même. Compliqué. Je sais pas. Durée de la séance intermédiaire. Donc c'est bon normalement. Ouais, bah chaque 8 secondes, c'est pas le même nombre de tours. Bon allez, on est parti. On va voir si on arrive à faire quelque chose. On va laisser un peu commentaire. Le circuit urbain de Jeddah. La tension est à son comble à l'approche du départ pour la course de Formule 2 de ce jour, ici en Arabie Saoudite. 31 degrés, temps dégagé sec, ça va. Les pneus durs, c'est bon. Comme certains des autres circuits urbains du calendrier de Formule 2, il risque de mettre nos jeunes pilotes au défi au fil de nombreux virages difficiles. Ah bah j'ai vu ça. Notez également que les températures sont élevées ici et que ceci a un impact important sur en même temps c'est en Arabie Saoudite. De garder cela à l'esprit aujourd'hui. Normal qu'il fait chaud. Pour chercher un bon résultat. Découvrons la position des pilotes au départ voilà, de la départ. Course. Alors. Après sa fantastique performance d'hier,
Callum Williams part en pole position et Liam Lawson part en 48, il est chaud. En ce qui concerne le reste de la grille, Drugovic, l'as du volant, quatrième. Frédéric Vesti, Iwasa, Sato, Verschu. Bon, on va passer ça. Hein. J'ai à mes côtés l'ancien champion de GP2, Davide Valsecchi. Quel est le niveau des pilotes en piste comparé à votre époque? Oh, eh bien, ce qui est clair, c'est que mon année a été la plus difficile de toutes. Je rigole. Les pilotes que nous avons sur la grille aujourd'hui ont énormément de talent. Les meilleures écuries de F1 savent très bien qu'il s'agit du futur du sport automobile. Et ça, c'est moi. De demain, c'est eh oui, piste. C'est moi. C'est ce genre de talent qu'on a en piste aujourd'hui. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous plaît ce format-là. Le format où je maintenant qu'on a marqué des points, on je va coupe pas s'arrêter en si bon chemin. Dans les essais, les qualifs, et je fasse la course complète. Alors, stratégie en course, par contre, il faut faire un arrêt, donc c'est celui-là qu'il me faut. C'est par rapport au le meilleur pour stratégie de course à calculer en fonction des données réunies par l'équipe d'ingénierie de l'écurie. Écoutez, hein. Affiché masqué. Je sais même plus. Ouais, non, modifier. Voir, on peut changer quoi. Pneu médium, pneu relais. Non mais moi je veux que les mêmes pneus, ça me suffit. Hein. Le médium. Ouais, mais non, ça va pas. Je perds des secondes. Regardez. Temps de course prévu 0,02. Ça va pas ça. Deux tours, fenêtre d'arrêt au centre, 5 tours. En faisant ça. Ah là, tour d'arrêt au cinquième. Temps de course prévu 0. Usure. Voilà. Et si on fait ça du coup? Non. 5 tours. Hein. Je vais laisser les pneus médium. Je vais faire ça comme ça et voilà. Hop. Normalement c'est bon. Un tour. 9 tours. Il y a 9 tours, ouais. Normalement. C'est bon. Bon bah je crois qu'on va partir comme ça. Allez go. Excusez-moi. Allez. 0, 0. Oh putain ça commence. L'autre il est pas parti devant moi. Je regardais même pas déjà. Ah, là ça va être plus compliqué la dernière course parce qu'il y a du monde devant. Bon ils, par contre ils avancent pas là. Allez je récupère ma place. Avertissement pourquoi? Oh putain, c'est compliqué là. La course très compliquée. Oh là là, et je sors de la piste en plus, c'est chaud. Allez, on y croit. On peut finir premier si on veut. Voilà, on va doubler ça en ligne droite. Ah, même pas. Allez, il me colle, il est à droite. Ah non. Tu démarres pas trop mal. Surveille les attaques de tes adversaires. Ouais, bah je me suis déjà pris le mur. Johnson. Elle va pas être facile hein, cette course. Allez, je vais les rattraper moi. Ce serait cool. Ah, le coup de pression. Voilà, j'ai repris un peu. J'ai réussi à reprendre un peu d'avance. Ah bah là, c'est la ligne droite pour les stands. D'arriver. Du coup, en ligne. Oh. Bien, beau travail. Ah mais lui, il me fonce dedans. Oh putain. Putain, c'est chaud. La tête en collision avec, oui, je sais pas quoi. Je sais. Du coup, je suis deuxième. Non. Non, troisième, pardon. J'ai gagné une place par rapport à mon départ.
peut être assez compliqué de te circuit. Allez, là tu peux peut-être le doubler, non. Et j'ai la difficulté à 50, hein. 50, c'est déjà pas mal. On a pris un peu d'avance, en virage il me fume par contre. Il me prend les murs, ce qui est pas bon. Peut-être avoir du temps au stand. T'investis, il fume. Il y va. Du mal à rattraper. Allez, là je peux peut-être le... Non. Ah si. En double. Par la gauche, c'est bon. En ligne droite, nickel. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Qu'est-ce qui se passe? Direction de course, quoi? Il m'a pas foncé dedans par hasard. Wouah! Il s'est passé quoi? What? Course compliquée, là. Regardez l'état. Ah, elle a rien, la bagnole. Oh, j'ai de la chance. Il était vénère. Oh là là, c'est quoi cette course? Ah, la course folle. Oh, comment j'ai réussi à redresser, n'empêche. Pour pas partir en tête à queue. Un truc de ouf, hein. Ouais, par contre, j'étais deuxième, j'ai perdu trop de place. Bah, deux places au moins. Ça, je vois pas trop, je suis concentré. Là, je suis sûr qu'il m'a fait une tête à queue, il est foncé derrière moi. Du coup, je me retrouve cinquième, ouais. Ok, c'est pas grave. Tant pis pour les dégâts. J'ai plusieurs stratégies à te proposer. Tu les verras sur ton AMF. Ah ouais? C'est-à-dire? Mais je vois pas, moi. Non. Désolé, j'ai pas le temps de voir. Non, mais je vois rien. Parlez. Oui. Bien sûr. Oh là là, c'est une course compliquée, celle-là. T'as combien de tours, là? 3. Ok. Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. Il va avoir des avertissements. Pas moi. C'est ça qui m'a fait l'autre, tout ça. Course très compliquée. Oh là là, compliquée cette course. J'avais même pas contrôlé la bagnole là. Obligé d'aller au stand, hein. Après moi c'est pas facile de conduire, mais en même temps regardez où on en est autour et tout. Frôle le mur. Oh, j'ai géré. Voilà. C'est bon, ça. Ah
Voilà, ça c'est un libérage. Est-ce que je dois rentrer au stand? Oui. Apparemment, je rentre au stand là. Lawson vient d'inscrire le meilleur tour en course. Entrée tard. Temps d'arrêt estimé. Oh, c'est chaud là. 15 secondes. Cet arrêt a pris plus de temps que souhaité. Ah oui, il fallait réparer les dégâts, je crois. Ah non, ça m'a même pas réparé rien. What? Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ses gommes. Bah oui, je veux bien. Hein. Mais j'ai perdu du temps à l'arrêt. Le dernier, du coup. Mais eux ils sont pas arrêtés au stand, je crois. C'est compliqué. Dernier. Bon. Faut que je rattrape tout ça du coup. J'essaie de ménager tes pneus, non, j'ai pas le temps de ménager les pneus là. Faut que je trace. Voilà, ça c'est bon. Allez. Je vois même pas le nombre de tours qu'on est là. Là j'avais tellement focus sur la course. À 5 sur 9, d'accord. Est-ce qu'ils sont arrêtés au stand au moins là? La moitié de la course. Non? Oui, il y en a qui sont arrêtés au stand. Oh putain, ils sont là. Oh putain, je me replace, je sais pas, 15e. Oh, chaud. Ah là, elle est plus compliquée que la première déjà. Ça me plaît mieux. Oh non, je sors de la piste. Oh, ils n'ont pas les gommes chaudes, chaud. Ils la trouvent. Putain, allez, laissez-moi passer. Non, ils veulent pas me laisser passer. Ils n'ont pas envie là. Oh. C'est mort pour moi ça. L'erreur. Fais plus attention au moment de doubler. C'était trop dangereux. On aurait pu recevoir une pénalité. Ah, je sais bien. Mais sûrement. Ouais. C'est lui qui me fonce dedans limite. Faut que je prenne des risques aussi hein. Je veux gagner des places. Ouh, par contre l'aileron gauche là il est orange. Yuri au stand. Eh bah oui, mais moi je suis pas encore là. Ah bah tiens, c'est ici la ligne. Du coup je vais rattraper peut-être du monde, j'espère. Ou pas. C'est combien? 16e. Du coup, je me retrouve 7e. Bon, ça va. Ça va, c'est un bon placement quand même. Faut que je maintienne cette allure. J'y arrive, mais c'est compliqué, il y a des virages compliqués.
chaud. Voilà, c'est chaud. Quelle course! Ah putain, j'ai pris trop large. Ouh, c'est bon ça. Ouais, ça veut dire, ils sont où? Derrière. Je reste à cette position, ça serait cool. Ah, la ligne. Oh putain, j'ai failli me prendre la bordure. Y'a personne au stand là? Si je peux gagner à gratter une ou deux places. L'écart avec notre coéquipier est de 2,7 secondes. Ah non, y'avait pas ça, 2,7 secondes, mais il est devant ou derrière? Circuit compliqué. Ouais, ce virage là j'arrive même pas à le gérer. Avec celui-là là, je sors toujours de la piste. Ils sont derrière. Ils me collent. J'essaie de pas ralentir là, réussi. Quelle concentration. On se bat. Et faut pas que je fasse une erreur aussi. À me niquer ma caisse. C'est cool. Toujours l'aileron gauche qui est orange, le reste ça va. C'est l'avant-dernier tour en plus. Celui-là, le dernier. Voilà, là ça va être le dernier tour. Faut rester focus. Ils sont juste derrière. Tu entres dans le dernier tour. Ma position de départ c'était quatrième, hein. J'ai perdu des places. Deux. Ils sont juste derrière moi. Ça va être chaud s'il commence à attaquer, à m'attaquer là. Là ça y est, j'ai la pression. Ça se sent comment je conduis. Moi je suis obligé de faire ça, de prendre large parce que j'arrive pas à prendre le virage. Là pareil. Voilà. Ouais ils m'attaquent. Ils attaquent derrière. C'est chaud ça. Tu commences à m'attaquer. Ah ouais, ils sont juste derrière. Il me manque que ça termine. Ah, le week-end là, il est compliqué les essais. J'ai fini 20e, un truc comme ça. Calif 4e, ça va. Mais la course, c'est vraiment compliqué. Il n'y a pas eu, en tout cas il n'y a pas eu comme le premier épisode, voiture de sécurité, je sais pas pourquoi il y avait ça le premier épisode. Il y avait sûrement un accident sur la roue piste ou je sais pas, des débris un peu partout. Vainqueur, j'ai pas vu c'était qui, on verra plus tard. Voilà, oh putain non. T'imagines, je m'avais fait doubler à ce moment là.
Voilà. Sixième. Pouh. Compliqué. J'ai eu un accident. Bon, ben voilà. Mon week-end sera fini. Pilote du jour, Enzo Fittipaldi. Bon, bah allez. Une nouvelle victoire sensationnelle pour Carlin. Bah, c'est pas moi cette fois. Premier week-end, ça a été nickel. Là, plus compliqué. Liam Lawson. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la vitesse qui compte. Il faut aussi être régulier, pouvoir maintenir son rythme. Ouais, bah ouais, c'est pas c'est ce que j'ai pas eu. Des temps au tour régulier tout en respectant les pneus. C'est là-dessus qu'il a gagné aujourd'hui. Ouais, bah moi j'ai perdu du temps au stand. Du coup, je crois que ça m'a payé mes et places. Voici nos trois pilotes du jour. Déjà à l'origine de la réussite de grands noms de la F1, l'écurie Carlin a une fois encore démontré son expertise pour ce qui est de dénicher de nouveaux talents. Red Bull donne des ailes. Aucun doute là-dessus. C'était une victoire. Bon, on va regarder les résultats du coup. Champagne, ouais, bah ouais. Bah, je suis sixième, je suis même pas dans la troisième. Allez, on passe ça. Ouais, bah compliqué celle-là. Bon, allez, continuer, on va voir ça. Voyons à quoi ressemble le classement. Sixième, 8 points. Ah, sixième, 8 points. Du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Davide Valsecchi dans la catégorie pilote du jour. Pour qui votez-vous? Pour moi, c'est Liam Lawson. Ouais, le ok. Le plus grisant en Formule 2 est de voir ces jeunes pilotes grandir. Ouais, bon, classement. Et j'ai eu la sensation global, de le voir passer il est au où supérieur aujourd'hui. Ça. Je tends à présent un œil au classement des écuries. Carlin oui. Se hisse ah non, c'est pas ça. Art a réalisé une belle prestation ce week-end. Ah si, c'est ça. Deuxième. Sa position moins au classement. Incroyable week-end auquel nous venons d'assister. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ça va être compliqué cette carrière. Bon bah allez. On va juste continuer. Moi je vais arrêter la vidéo là. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Dans la description, j'ai ma chaîne Twitch, mon lien TikTok. N'hésitez pas à aller follow mon TikTok. Et mon lien PayPal pour ceux qui veulent me soutenir. Que je m'améliore. Donc voilà, c'était tout pour moi. Et bah, je vous dis à la prochaine pour un stream et une vidéo. Bah, un stream, je ferai un stream, je pense, avant une vidéo. Donc voilà, bon, je vais arrêter de parler parce que voilà. Bon, bah, sur ce, à plus tard et allez, salut tout le monde et merci.